Donc ouais, j'avais prévu à la base de streamer notre ami The Witness ce soir, mais malheureusement notre chère collaboratrice Lola n'est pas disponible, donc voilà, je me suis dit on parle beaucoup de seins, de fesses, de plein de parties du corps dans The Witness. Alors pourquoi ne pas tout simplement y jouer au lieu d'en parler? Donc je sais pas jusqu'à quelle heure je vais streamer, mais là mon but simple et précis, ça va être déjà de refaire l'émission du début en faisant des A. Maintenant que je maîtrise le jeu sur le bout des doigts. Évidemment, je ne le maîtrise pas, c'est totalement faux. Mais je pense que je peux quand même réussir à faire des bonnes notes. C'est mon esprit perfectionniste. Donc, je me mets en médium. On va refaire celle-là. Je crois que je vais avoir Riona, malheureusement. Je vais mettre Yumi. Hop. Notre sympathique Yumi. À savoir que donc ce personnage Yumi, à la base, dans la franchise Senran Kagura, le personnage principal c'est Asuka, la petite ninja, la petite brune là, assez classique, qui fait un petit peu office de personnage passe-partout quoi. Et ensuite, ils sont passés sur Yumi dans les versions suivantes, qui est un peu la narratrice, est devenue un peu le nouveau personnage principal, entre guillemets. Et ça occasionne parfois des gags entre les deux. Voilà, c'est juste pour la petite histoire. Et donc là, on va jouer Yumi, qui est une sorte de déesse de la glace, enfin, j'ai pas trop compris. Alors, le problème avec les tutos, c'est que ça. Je vais être obligé plus ou moins de faire ce qu'il me demande au début, je pense. Peut-être qu'en les refaisant c'est pas pareil, mais. Ok. Transformation. Donc effectivement, il n'y a plus de message de tutoriel, donc je peux juste me faire plaisir là. Je sais pas combien il y a de vagues. Je sais pas si je l'ai bien visé ce truc. Concrètement, j'ai touché un personnage. Je crois qu'il faut juste que je speed un petit peu là, parce que ça doit être ça le prérequis pour faire une bonne note. Mais j'arrive pas à. Ah si, d'accord. C'est. Non, il en reste? Ah oui, il y a une autre horde. Peut-être attendre d'avoir deux scrolls pour faire une grosse technique, parce que là, la première est pas ouf. Ok, c'est bon, j'ai deux scrolls. Non, je crois que j'ai mal visé. Ah non, c'est bon, c'est une tornade, c'est vrai. Je crois que j'ai pas essayé la touche triangle. Ah ok, ça fait une sorte de petite tornade de glace. C'est bon, j'ai fini là?
Il y a une autre horde qui arrive. Ah non, il y a trois grosses ninjas. Je sais pas si vous connaissez Ken le survivant. Probablement. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a toujours des mecs qui font la taille d'un immeuble. On sait pas pourquoi. Là, c'est un peu le même concept. Ouais, alors. Il faut que j'utilise plus la touche rond pour esquiver. Je casse leur garde avec triangle. J'essaie de faire des parades, mais bon, elles sont chiantes, hein. Ok. Ok. Donc j'ai aussi découvert un truc dans ce jeu, enfin que j'ai compris en revoyant des extraits de mon propre stream, évidemment, parce que je... Vous l'imaginez bien, je passe mes nuits à me regarder jouer. J'ai découvert que... Attendez, j'essaie juste de finir ça parce que c'est un peu galère. J'ai plus de technique spéciale. T'es mort toi ou pas? Non, pas du tout. Là, elle est morte, je pense. Ah oui, en fait, pour breaker, j'ai pas besoin de laisser appuyer triangle. Je peux juste appuyer triangle une fois, quoi. Ils sont diablement résistantes, c'est... ces personnages de Ken le survivant là. Ah mais j'ai ma technique. Je vais peut-être pas me mettre derrière le... Hop là. Tiens. C'est possible d'arrêter de garder à un moment ou pas? Oui, donc triangle ça suffit pour... Par contre, elle a des enchaînements très lents, donc c'est un peu casse-couille. En fait, faut que je pète leur garde et que je fasse une parade après, ce sera mieux, je pense. J'ai raté. Et je suis stun en plus. Voilà, j'aurais certainement pas un A à cette mission. Ah, j'ai réussi ma parade. J'ai raté. Ouais, donc elle prend une attaque chaque fois que je les break. Ouais, maintenant évidemment j'ai un niveau supérieur. Bon, c'est pas terrible, hein. Ah, il y a encore du monde. Ah cool, il y a un scroll. Je vais le mettre au milieu et refaire ma tornade de l'enfer. Ok. Ça a bien fait le ménage. Il en reste là ou quoi? Ouais, il en reste deux. Elles sont très peu résistantes celles-là, donc... Bah c'est fini. Oui, donc j'étais en train de dire, j'ai découvert en regardant des extraits de mon propre stream que plein de trucs qui me frustraient en fait sont explicables et c'est des mécaniques de jeu qui se comprennent au fur et à mesure. Genre, pourquoi est-ce que je touche pas les ennemis des fois? C'est parce qu'ils sont en train de lancer leur timing spécial, donc ils sont temporairement invincibles. Etc, etc. C'est des trucs qu'il faut apprendre à jouer avec. Je fais quoi, un B là? Un C? C'est pas ouf. Je vais le retenter pour faire un A. Et si je vois que je galère vraiment trop, je prendrai un personnage que je connais bien, tant pis, hein, et on va y aller direct. Enfin, quand je dis on va y aller direct, on va les défoncer direct, quoi. C'est vrai que moi j'aime quand même plus les personnages un peu plus... Enfin, un peu nerveux, qui ont pas trop de délai entre leurs attaques. Sinon ça devient vite pénible quand les ennemis bloquent
Bon, déjà, je vais garder mes techniques. Enfin, je vais essayer d'en garder pour les trois colosses là. Faudrait que je récupère des scrolls quelque part pour commencer là parce que. J'ai l'impression que la barre de ninja monte plus vite quand je fais des combos. Des longs combos. Ah mais il en reste deux. Ah il est vraiment nul son coup avec triangle là. Ok. Ah j'étais même pas transformé c'est vrai. Donc du coup j'ai plus de scroll, super. J'ai même pas regardé ce que j'ai gagné comme technique avec elle. Donc je peux faire carré triangle direct. Ok, qu'est-ce que ça fait? Peut-être que j'arrive à le faire déjà. D'accord, pas mal. Ça les propulse en arrière. Ouais, faut que j'abuse un peu plus des techniques avec rond là pour faire des petits dashs qui me rendent temporairement invincible. Alors elles sont chiantes hein. Peut-être essayer de les attirer. D'abord. D'accord. Dans le tas là. Ok. Donc. Elles font leur attaque chaque fois que je les break. Ok, donc je peux faire des parades facilement comme ça. C'est bon à savoir. Ah, mais c'est vrai qu'elles tournent avec moi quand je me déplace. Ok, j'en ai tué une. Des scrolls. Parfait. Alors là j'enchaîne les level up, c'est super. Je récupère tous mes scrolls à chaque fois. Ah mais il y a encore une... Ah j'ai raté ma parade merde. Ok là j'ai réussi. Ouais bon contre elle la technique c'est vraiment de faire des parades sur leur truc quoi. Je devrais peut-être faire un B là. J'espère. Vous inquiétez pas, il y aura beaucoup plus de seins et de fesses après. Hein. C'est, là, c'est le début, donc forcément,
Ok, j'ai fait un B. C'est pas trop mal pour l'instant. Ah, du coup, il y a les deux notes, ok. Quand je l'ai fait dans deux trucs différents. Ça veut dire qu'en hard, il y a aussi une note. Donc en fait, ça sert peut-être pas à grand chose de, que je me fasse chier. On va faire cette mission, tiens. Qui, rien que par le titre, fait envie. Ça va être une histoire d'attrapage de saints, je pense, ou un truc comme ça. Enfin bref. On va voir. ダイニッショ国は半蔵学院VS蛇女子学園よ。運動会など、くだらないとは思うが、だが勝負の内容は何だい。あたいはパンツでも何でも加えるぜ。ちょっとカツネ、さっきから仕方ないじゃないか。夏のピーチがあたいを狂わせるんだ。 Marrant, je m'attendais à ce que ce soit une idée de Katsuragi, mais... チームのおっぱいを多くタッチした方が勝ち。簡単なルールでしょ。そんなふざけた競技参加できるか。はるか、真剣な質問だ。自分のチームのメンバーのおっぱいをタッチするのは無効なのか。それがOKなら僕は雅の任務。その辺でやめとかないと力ずくで黙らすわよ。 Alors, juste pour signaler qu'elle a quand même un haut de maillot assez étrange, qui ne tient a priori sur rien. On dirait que c'est collé sur sa poitrine. Voilà, donc Katsuragi c'est la pro hein, pour ce genre d'épreuve. J'ai peur d'avance de la fin de la mission. Enfin, disons de l'animation de victoire, ce qui va se passer. Mais bon, c'est un jeu sur PS4, donc écoutez, moi, y a pas de limite d'âge ou quoi que ce soit. C'est free for all, hein. Alors on va jouer cette fameuse Katsuragi qui a donc des grosses chaussures des gros après-ski. Oh, et puis elle a un chipon marché hein. Mais elle avait l'air assez puissante quand je l'ai combattue. Une bombe, ça faisait longtemps. Il y a plein de bombes.
Très puissant. Je vais m'en garder une pour la wave d'après. Ils sont où? Ah mais non, c'est combat contre ninja. Contre Murasaki. Mon personnage préféré. Et contre Ryona. Ryobi. Mon personnage préféré. Et contre Ryona, mon personnage préféré. Oula. Ok. On va lancer une bonne petite bombe Manta là. Voilà, ça a bien fait le ménage. C'est des bombes en folie là. Ok, j'ai tenté ma technique niveau 2. Oh bah j'ai éclaté Ryona d'entrée de jeu. Super. Oh là, putain. Je disais que j'avais peur hein, mais je m'attendais pas à ce niveau là quand même. Elle est très puissante, notre amie. Merde, elle va se transformer. Notre amie Katsuragi est très puissante. Elles sont où? Je dois peut-être les loquer de temps en temps, mais... Je vais tester la technique de niveau 1. Ça fait mal. Ok, et Ryona... Ryobi, pardon. Non mais c'est bon là. Tiens, prends ça. J'essaie de bien me caler. Voilà. Merde, je voulais éviter qu'elle se transforme justement. Donc comme vous allez voir, Ryobi, quand elle se transforme, elle utilise ses armes mystiques pour grossir ses seins. Je le précise parce que c'est un point important du jeu, donc... Oula, mais elle me fait quoi, elle? Non, deux à la fois, c'est peut-être pas une très très bonne idée. J'aurais peut-être plutôt utilisé les bombes. Ah, ça, c'est un ballon de volée, merde. Y'a plus de bombes. Ouais, bah ça va être les deux à la fois alors. Hein. Peut-être me taper Ryobi avant. Toujours plus haut. Ça en finit pas. Ah, je me suis fait un peu... Et là, je me suis pris sa technique spéciale dans la gueule. En fait, l'autre est plus chiante parce qu'elle me fait des petits trucs à distance, là. J'aimerais bien m'en débarrasser. Ok. Bon. J'ai la lock. J'ai essayé de m'enfuir mais j'étais trop lent. Ouais, si je suis en pleine animation, c'est compliqué d'éviter. J'essaie de lui caler ma deuxième technique là, je vois un scroll derrière. Merde, j'ai lancé en même temps qu'elle. Du coup, on va être invincibles toutes les deux, mais je vais pas la toucher. Ah si, elle s'est approchée. Là faut que je me barre. Voilà. Pas compliqué hein. Allez bye bye. Elle est pas morte hein. Ah
C'est un peu dégueulasse là, il lui reste que dalle de vie. C'était pas incroyable comme combat. Je me suis direct débarrassé de Riona, mais j'ai vraiment galéré sur les deux autres. この時にやった席が、あの時は仲良しの桜ちゃんと隣の席になりたかったのに。じゃんけんに負け続けたせいで。そうだ、懐かしいな。みんな元気にして。みやび、しっかりして。現実に帰って。負けたのはみやびのせいじゃない。ふざけた競技内容のせいだよ。残念だったわね、蛇女のみんな。 足りない。値はまだ足りないよ。これっぽっちのおっぱいじゃ、あたいの魂を沈めることなんてできないんだ。カツネ、なんで私たちに向かってくると。止まれない。やめられないんだよ。カツネが壊れちゃった。いけません。皆さん、避難してください。もっとおっぱいにタッチさせろ。 Ah, c'est moche. J'ai fait bon aider. J'ai envie de la réessayer parce que c'était pas si dur en plus. Je vais faire l'émission toujours avec leurs personnages attitrés hein, parce que c'est aussi une bonne occasion de les XP petit à petit les unes les autres plutôt que de monter un personnage niveau 50 et même si j'ai vu que ça a influencé aussi un peu la puissance d'attaque et compagnie donc c'est un choix. Maintenant que je la connais un petit peu mieux, ça va peut-être se passer plus facilement. Pourquoi j'en ai pris qu'une dans mon combo aérien là? Ok. Ah mais c'est vrai qu'il y a des bombes, j'aurais peut-être abusé de ça au lieu de faire des techniques. Ou alors peut-être que je les garde pour les boss. Je sais pas. Je vais essayer de les lancer sur ces gros trucs avec des boîtes là. Bon. Non mais ce maillot Riona c'est pas possible. Faudrait que je chope peut-être Murasaki dès le départ dans mon combo là.
Ah cool, j'ai eu un deuxième truc. J'essaie d'enchaîner avant qu'elle se réveille. Ok, je l'ai tué. J'ai tué Riona en tout cas. Elle est où Morazaki? Ah, trop tard. Je la voyais plus. Il y a encore des bombes hein. J'aimerais bien pour la prendre, c'est possible ou pas? Il reste des bombes. Ah, il y a une boule de merde qui me suit là. Putain. T'es où Murasaki? Ok. J'essaie de t'envoyer une bombe dans la gueule. Voilà, parfait. Parfait, j'ai regagné tous mes scrolls. Je suis stun. Elle est là-bas. Non mais... Je veux loquer Murasaki, putain. Voilà, elle va faire un truc dégueulasse là. Ok, je pense qu'elle est morte. Bon, c'était mieux là. Quoi? Pourquoi j'ai fait pire qu'avant? Je me suis pris plus de dégâts peut-être. Non, je m'étais pris beaucoup plus de dégâts la dernière fois. C'est pas très clair hein, leur système de notation. Merde, j'ai zappé la... Je me suis planté, je suis passé à la mission suivante et j'ai zappé l'histoire. Il y a dû avoir, il devait y avoir un moment où j'aurais dû appuyer sur menu, je pense. Ah non, mais j'avais déjà fait D avant en fait. Parce que c'est ma meilleure note apparemment. Peut-être qu'il faut que je me prenne vraiment moins de dégâts que ça. Je veux dire, mon minimum c'est... Enfin, on va dire le maximum... la pire note que je veux avoir c'est B, donc... je me satisferai pas d'un C ou d'un D.
Je sais pas pourquoi, c'est totalement arbitraire, mais... Mais pourquoi je suis encore avec Minori, là? C'est quoi ce bordel? J'ai pas mis la bonne mission. Vous inquiétez pas, ce sera coupé au montage. J'ai bien mis celle-là pourtant. Grand Grop and Grabbel. Je croyais que c'est ce que j'avais déjà mis avant. Ah non, je m'étais trompé. C'était pas cette scénette qui avait commencé la mission. Ok. Mais non. Bon, je capte pas. Je capte pas pourquoi je suis avec Minori. Ah, mais c'est la bonne mission, c'est juste que c'est pas le bon personnage. Merde. Désolé, hein, je suis un petit peu... J'ai un peu bu ce soir, je vous cache rien, donc voilà. Et oui, parce que forcément, bah, Minori était par défaut dans la mission suivante. Sauf que là, vu que je suis revenu sur la mission d'avant, bah, j'ai gardé Minori. Donc on était avec... avec... Katsuragi. Voilà. Donc à mon avis, pour faire une bonne note, il faudrait que je... Que je les trois boss, que je les défonce avant qu'elles aient le temps de se transformer. Donc je vais peut-être me focus une par une. Genre j'essaie d'en descendre une midlife avant qu'elle se transforme, je fais ma technique niveau 2 et je la tue quoi. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Faut que j'évite de prendre des dégâts. Ou alors peut-être que j'ai strictement rien compris au système de notation aussi, hein, c'est possible. Est-ce que je gagne du pouvoir avec mes bombes? Ah ouais, j'en gagne aussi, ouais. Enfin, du pouvoir. Hein. Vous avez compris? T'es où toi la dernière? Ah ok. Bon, on est reparti. Alors, je commence par qui? Ah, c'est vrai qu'il y a du monde au balcon d'abord. Ok, j'ai tous mes scrolls. Je vais récupérer une petite bombe. Il y a Riona qui est là. Je vais essayer de la baisser un peu de cette... Non, elle est pas assez basse, je pense. Elle va se transformer, là. Zut. Je suis stunlock là, je peux rien faire. C'est chiant. Bon, ce sera pas du... Ce sera pas du A encore, je pense.
Dommage parce que Ryobi est quasiment midlife là. Ah, je me fais défoncer. Encore pire qu'avant. Oh là là. Ouais, faut que je chope Ryobi, merde. Bon, mais dommage. Peut-être Murasaki avant Cassie. Bah d'accord. Super. Je pense que je peux abort là directement. Je sais pas où elle était, c'est ça que le problème, c'est que je la vois pas, je sais pas où elle est dans le tas là. Je peux encore tuer Ryobi en one shot, non, enfin en one shot. Sans qu'elle puisse se transformer. Si je la trouve, je sais pas où elle est. Elle est où? Donc là c'est Murasaki. Elle est là-bas. Merde, c'est pas possible. Elle était même pas midlife. Marc, je peux faire deux techniques spéciales là. Elle est où? Mais oh là là, c'est chiant, c'est stun, bordel. Ah, j'étais en plein dans le lieu du cyclone là.
Toi t'es morte, ok. Et elle est où Ryobi, elle est où? J'ai encore une bombe. Là. Merde, elle a lancé son spécial en même temps. Ouais, ça fera pas du A, je pense. Hein. Peut-être du C. D'accord. C'était nouveau cette animation de fin là. Bon, bah je sais pas. On va faire la mission suivante, tant pis, hein. J'ai sauvegardé parce que ça fait quand même pas mal de fois que je fais le truc sans sauver. Allez, mission suivante. Elle est pas mal celle-là. Ok, donc on va enfin vraiment jouer Minori selon le scénario du jeu. J'ai même pas regardé, je crois que je dois tuer 3 ninjas encore, c'est ça hein, pour finir la mission, un truc comme ça. Alors. Elle est très très lente, ok. Qu'est-ce que... D'accord, quand j'appuie triangle... Oula, d'accord. J'essaie de comprendre, hein. Si j'ai appuyé triangle, je mets un truc dans mon seau et je peux ensuite l'utiliser, d'accord. C'est pas très clair. Yeah.
Ok, donc elle a fait des pancakes avec ses ennemis. Donc sa technique triangle est un peu chiante parce qu'elle est en deux parties. Et ouais, du coup j'ai gâché mon truc et ça n'a pas marché. Et je suis en feu. Pourquoi tu gardes toi? Tiens, prends-toi un bon coup de poil. Bon, par contre, ça, son truc qui break la garde là, c'est pas mal. Finalement. Bon, ça marche pas tout le temps. Ça marche pas? Ah si. Bon super, il y a les trois boss qui arrivent et j'ai pas du tout de rouleau. Ah ouais, en plus elle est chaude elle. Ah, mon personnage préféré. Ça va être la grosse merde là hein, parce que moi si je gagne des scrolls. Je crois que heureusement que j'étais invincible parce que je m'en serais pris plein dans la gueule si j'avais pris ce truc dans la. Y'a pas moyen de level up à un moment ou pas? Non mais si Ikage se transforme, ça va être la merdasse. Ah mais elles se transforment toutes. Pourtant elles sont vraiment pas basses en vie là. Bon bah ça va être la merde hein. Sauf si j'arrive à level up peut-être, mais... J'ai plus de vie déjà. Je suis en feu. Ouais. Triste fin pour Minori. Rah, j'étais si près de level up en plus. Du coup là je vais level up au début du niveau et ce sera pas cool. Quoique je peux peut-être expédier le début comme ça. Cette technique de niveau 2. Ok, c'est puissant. Je
vais essayer de me garder ça pour les trois boss. Si je peux. Ok, j'ai deux scrolls, c'est bon. Ah, c'est trop lent son truc. Elle a pas de portée en plus. Et j'ai level up maintenant, super. Ah, mais tu me fais chier toi. Ah, mais elle a trois trucs en fait. Voilà, j'ai pas compris ça. Champ feu. Bon, je suis en feu, mais j'ai tous mes scrolls. Je pense que j'ai tenté une technique de niveau 1 plus une technique de niveau 2 ensuite pour essayer d'en tuer une direct. Alors que j'en trouve une dans le tas là. Elles sont où? D'accord. D'accord. Voilà, je crois que j'ai Ikage là. Ouais. Ah, j'en ai touché aucune. Merde. Bon, j'ai pas évité la transformation d'Ikage. C'était elle qui était là? Mais non, c'était pas elle. C'était un trash mob. Le troisième, non, tu veux pas te transformer aussi tant qu'on y est, parce que là... Ah, j'aurais bien aimé level up là, ça aurait été cool. Ah cool. Ah, là j'ai eu Ikage dans mon truc. Je crois qu'elle est morte. Ouais. Mirai, non, c'est l'autre qui va mourir. Ok, il me reste plus que Mirai. Ah, Mirai, tu m'as bien aidé dans la première mission, mais là... Fais chier, là. Qu'est-ce que je fous? Ah, je l'ai bien calé dans un mur. Elle va se transformer. Ok, Bekasos, hein. Ah non, mais cette tête chercheuse, ces trucs en plus. Bon, le trash, tu fais chier là. Voilà, au revoir.
Mais genre elle m'a touché. Oh là, je me casse. D'accord. C'est tellement lent son combo. Ok, 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 je me casse. Ok. Mais pourquoi tu l'as envoyé à perpète là? Je comprends pas. Bon, heureusement elle a raté son truc. Ah, là j'ai eu un coup de chance. Je veux dire le truc. Mais elle va arrêter là, elle a combien de scrolls? J'ai crevé hein. Ah c'est trop court porté son truc là. Ah mais ça suffit. Pfff. La bestest, ça c'est sûr. みんなに話するのはいいが、その前に手を洗ったらどうだ。あいつらの尻をいっぱいさ。失礼な。私たちのお尻は別にそうですわ。たとえ極貧生活をしていたとしても、川や海などの大自然の恵み。すまん。別に。わしら、そんな風に思われてたんやな。わしには感情ない。私も心が折れそうだよ。 Ça va pas être fou à mon avis au niveau du score. Ouais. Bon, ce personnage n'est pas mon préféré. Hein. Pas évidente à jouer. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me dis peut-être qu'en fait les scores des missions sont aussi, prennent aussi en compte le fait qu'on peut les refaire avec d'autres personnages de haut niveau. Donc peut-être que genre si je le refaisais avec Riona j'aurais des A à chaque fois, je sais pas. Je testerai après pour voir. En tout cas c'est pas avec Minori que j'aurais des A c'est sûr. Ah, voilà enfin BBB.
La fameuse peluche dont j'avais parlé l'autre jour. Donc en gros, Bébé Bee, elle s'en sert pour parler à sa place quand elle veut dire des trucs, soit des trucs vulgaires, méchants, agressifs. Vu que ce personnage, comme vous l'avez constaté, n'a pas d'âme. Donc, c'est le running gag de Murasaki, c'est qu'elle utilise cette peluche comme ventriloque. Ah, donc on va jouer Murasaki qui a l'air de faire des attaques à distance, donc ça va être peut-être un gameplay un peu différent, je pense. Ah non, je confonds peut-être avec Mirai, je sais pas. C'est pas clair. Ah bon, c'est pas ce qu'on fait depuis le début du jeu, ça? Ouais, standard, effectivement. C'est une bonne question. Allez, on va jouer Murasaki, mon personnage préféré, avec Bébé Bee. Dans ce strip and rip. Alors, Murasaki. Donc elle a sa peluche que quand elle est transformée, en fait. Ah, elle a des petites attaques, j'aime bien. Des petites attaques qui font plein de combos et qui bloquent les ennemis, c'est pas mal. Hein. Et qui s'enchaînent rapidement. Technique niveau 1. On est contre Asuka. Ah, ça va être 3 par 3 à chaque fois maintenant. Ikaruga. Et... Ah non, Katsuragi, merde. Mais c'est vrai que j'ai encore des trash à tuer dans le tas. J'aimerais bien avoir ma technique de niveau 2. Ce serait bien cool. Merde, j'ai pas le temps de placer ma deuxième technique.
Donc elle va se full heal. Et être plus résistante aussi. Je crois qu'Asuka est quasiment morte, hein. Ouais. Elle est morte. Elle s'est pas transformée, c'est cool. Merde. Ah, je me suis mangé sa technique spéciale. Bon, moi, Saki, encore à corps, elle est pas. C'est pas ouf de la battre, hein. Enfin, de se battre contre elle. Mais heureusement, Murasaki fait des attaques très rapides, donc je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Oh, je me suis mangé leurs deux spéciales dans la gueule en même temps. On voyait plus rien. Mais oui, bébé B, t'es où là? Viens m'aider. Ça faut que j'évite, hein. Putain, mais elle me lance tous leurs spéciaux là. Ok. Mais la vraie question, c'est où était Baby B dans ce combat? Bon, ça se trouve, Baby B, il débarque quand on fait la technique ultime avec 5 scrolls. Il y a aussi ce système de mastery, j'ai pas compris à quoi ça correspond, le flash, yang et yin. Enfin, je sais ce que c'est que le yin et le yang, mais je vois pas trop qu'est-ce qui fait que ça. Il y a une barre qui monte, pas l'autre. Je vais repartir au menu pour voir où c'est qu'on en est. Kit de sauvegarde. Thank you.
Et ça fait longtemps que je suis pas allé voir le shop. Parce qu'à mon avis, je dois avoir un paquet de Zeni là. 57 000. Je vais tout acheter, hein. Et j'ai toujours pas gagné de truc de loterie là. Je sais pas quoi ça sert. Enfin, si je sais quoi à quoi ça sert, mais je sais pas comment les obtenir. Alors on en est où dans les missions ? Il y a toujours deux spéciales missions de difficulté très élevée. Je m'en teste très bien une pour voir à quel niveau c'est dur exactement. Voyons voir. Ah marrant, petite pub pour la pour l'animé. Ah
Alors, je suis avec qui? Avec Yumi. Il n'y a pas de trash. Est-ce que je dois juste les buter ou il y a un truc à faire? Ok. J'aurais peut-être dû le garder pour plus tard, pour me soigner. Ok. Bon, c'est peut-être pas une très bonne idée de me prendre les trois à la fois. Elles sont très résistantes, hein, elles ont vachement de vie. Bon, je vais balancer ma technique, hein. On verra bien. Ouais, elles ont vachement de vie, je sais pas pourquoi. Ah, ça va être le début des emmerdes. Si j'arrive pas à en tuer une avant les autres, je vais me prendre toutes leurs techniques spéciales en même temps. Ah, je les stun. Enfin, freeze. Mais lâche-moi, toi. Je vois rien en plus. Voilà, merci. Ah, bah super. Alors elle était déjà résistante avant, donc j'imagine même pas là. Elle perd pas de vie quand je fais des techniques. Mais attends, mais... Ok. Et combien elles ont de vie, c'est pas possible. Ah.
Je n'ai même pas enlevé une seule midlife quoi. Ouais. Bon ok. Ça c'est peut-être un truc qu'il faut faire plus tard quand j'aurai un personnage niveau niveau 9999 et que je connaîtrai le jeu par cœur parce que là on va oublier les missions spéciales pour l'instant. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout passé le premier niveau, j'avais pas du tout cassé de plateforme là. C'est dans lequel que j'en avais fait. Ça avait commencé avec la mission. Celle-là. Ah oui, c'est marqué dessus. Ah oui, mais on le voit sur le. Ah, c'est cool, on le voit sur le la mission. Là, il y en avait une, ok. Eh ben, je vais refaire celui-là avec Riona. Riona qui est niveau 20. Je suis en easy, merde. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour casser la plateforme, de toute façon. Alors, elle était où cette plateforme? Elle est où? Cachée derrière là-bas? Désolé Mirai, hein, je te laisse t'occuper d'elle. Là c'est bloqué. Je la vois pas. Hein. La map est pas super grande. Ah, il y a là aussi. Elle est là, ok. Ok, maintenant on va repasser. Eh, salut. Ah, j'ai un trophée, tiens. Ah, il y en a d'autres. Ah oui, il y a Murakumo. Ah, c'était 2x3, c'est ça. Allez, salut. Ah, elles sont parties sur Mirai, merde.
Elle est où? Là. Ok. Donc cette plateforme, c'est bon. Ici, il y en avait une aussi. Ah, le fameux truc où je faisais tout le temps des... D'accord, on va rester avec Riona. Ça devrait mieux se passer. Mais y'a moyen que tu les loques, voilà. Et j'ai pas pété la plateforme, merde. J'étais venu pour ça à la base, hein. Ah, Riona contre Riona, intéressant. Elle est où ma plateforme là? Pas par là apparemment. Là-haut il y en a une. Ok. J'aime bien me faire bloquer contre un mur comme ça, c'est génial. Et la dernière, là-bas. Merde, elle est pas morte. Ah mais j'ai ma bombe encore.
Bon. Là, j'aurais quand même avoir mieux que D, quoi. Ouais, donc effectivement, quand on a un personnage plus haut niveau, ça passe plus facilement. Ah, quelle barre va monter là? Aucune. Est-ce que j'oublie d'autres plateformes de... 1, 0, 0, 0... Ok, il n'y en avait pas d'autres. Hein. D'accord. Mission suivante. Peut-être la dernière. Je vais peut-être jouer à Meat Boy après, je sais pas. Je verrai. どっちにしたって向かってくる連中に背を抜けたら
D'accord, donc là ça va être du trash mob. Avec un personnage que je ne connais pas du tout. Qui a un gros marteau. Ah, on est toutes les trois, ok. Il y avait une plateforme ici, je sais pas. Ok, vous êtes bloqué par le mur. Peut-être que je devrais rester avec mes sœurs, ce serait mieux. Je fais rien du tout là parce que j'arrive pas à attaquer. Bon, mais bonne chance les filles. Hein. Ce personnage est pas ouf hein. Elle combine tout ce que j'aime pas, c'est qu'elle est très lente, elle a pas de portée. J'imagine qu'elle fait mal hein, mais... Même sa charge est très lente. Ouais, ça prend 3 heures à charger. Allez, non. Moi aussi je veux vous rejoindre dans votre combo aérien là. Ah j'ai loqué un vieux truc en plus. Ouais je préférais largement sa sœur hein. Est-ce qu'il y a un combo 1, 2, 3. C'est fini. Je crois qu'elles ont fait 90% du boulot et moi j'en ai fait 1%. Les 9 autres pourcents étant les ennemis qui sont entretués. もちろんです。ああ。
Bon, pour une fois, c'est mérité. Le D, je me serais même mis un F ou un G là à la rigueur. Bon, j'espère que la petite sœur sera plus agréable à jouer. Elle a des pistolets. Et il y a des trash mobs. D'accord. Donc là, on apprend qu'on peut se rendre invisible. Là, j'ai créé un faux moi. Ah, il a disparu. C'est 10 secondes. Hein. Ah, je suis carrément invisible pour moi-même aussi, hein. D'accord.
je suis empoisonné, merde. Ah cool, il y a encore du monde. C'est pas déjà ce que j'ai fait avant ça? Mais sans où il y en a pas? Ça me servirait bien là, un truc avec triangle. J'en vois pas. Je me fais éclater. Si je level up pas, là c'est mort. Elle est en frenzy. Ah bah super, elle m'a claqué cette technique spéciale en plein en même temps. Ouais. Je vais me garder un truc invisible pour la suite. Pourquoi il y a une voix d'homme qui parle? Ah, c'est peut-être les trucs en haut là. Ah, ben voilà les trucs invisibles. Merde, j'ai utilisé. Il n'y en a pas un autre? Ah oui. Je vais me transformer avant, comme ça je serai plus fort et. Ramasser le. La bombe invisible. Ok.
Ok, y a plus de bombes là. Malheureusement. Peut-être que je peux level up si j'ai dans le tas et que je fais ma technique spéciale. Mais elles sont hyper résistantes. Peut-être que c'est juste moi qui suis très faible. Hein. Sa technique de niveau 1 est pas ouf. Hein. Ah, l'autre elle est en frenzy là. Ah, j'essaie de me mettre en frenzy aussi, mais ça marche pas. Bon, bah, c'est pas évident. Elle perd très très peu de vie, je sais pas pourquoi. Je demande si j'étais bien un médium parce que ça m'avait l'air d'avoir vachement de vie par rapport aux autres missions que j'ai fait. Ok, donc là il n'y a pas de plateforme, on est d'accord. Ok. J'aimerais bien la finir quand même celle-là. Qu'est-ce que je fais mal? Peut-être que je laisse les bombes invisibles jusqu'à la fin et je m'en sers quand je suis sur les trois ninjas. Ou alors je garde ma transformation pour me soigner. Bah, je suis con, j'ai utilisé tout de suite. Bon, voilà. Peut-être que limite j'aurais me mettre en frenzy avec elle parce que ses techniques spéciales sont pas géniales.
ok. Ah, il reste les trucs volants là. Là je peux pas utiliser triangle sinon j'utilise ma technique. Bon. J'ai deux bombes d'invisibilité. J'ai peut-être essayé de me débarrasser de Yumi dès le départ parce que... Ah mais c'est vrai qu'il y a des mobs aussi. Mais je l'ai utilisé. Ah ouais. Non mais c'est ouf qu'on ne perd pas de vie. Elle est déjà en frenzy, Ryona. Peut-être qu'il faut que je la tue elle en fait. Hein. Ah bah elle perd de la vie. Ah bah en frenzy c'est normal. Par contre les autres... Là je suis invisible, ok. Après que j'arrive à la one shot, si je peux éviter qu'elle se transforme ce serait cool. Non, elle perd vraiment pas beaucoup de vie. Merde. Elle se transforme. Salut Alex Wolf, le jeu c'est Senran Kagura Estival Versus. Elle est où l'autre? L'autre côté, d'accord. Si vous pouvez avoir les deux à la fois, ce serait super. Là, merde. Chier. Là, c'est bon. Non, mais elle perd vraiment pas beaucoup de vie. Hein. Je suis sur PS4, mais il est aussi sur PC, ouais. Ah, j'ai peut-être pouvoir tuer... elle va se transformer. Ah, merde. Ouais, il est dispo sur PS4, PC... Il y a un autre jeu de la même franchise qui ressemble beaucoup, c'est... Senran Kagura Burst Renewal. Bon là elles sont full vie, ça va être la merde. Ah ça fait quand même un peu mal ça. Hein. Chier. Je sais pas de qui je m'occupe en premier, ça va être galère. Yumi je pense hein, parce que... Mais y a encore un truc qui vole là. Ah ouais. Je l'avais pas vu lui. Je vais mettre sur Yumi. Ah mais c'est horrible, hein. Je me fais stunlock. L'autre elle fait des techniques spéciales en série. J'ai une barre. Je pense que... Ouais, je vais essayer de choper Yumi avec. Là. Oh non, elle a fait son spécial en même temps. Bon, c'est bon.
En fait, je suis con, peut-être que j'abuse plus de la distance parce que la flingue. Je vais me coller au corps à corps, mais ça sert à rien du tout. Ok, j'ai esquivé le truc de Ryubi. Ça dure 3 heures, hein. Non, non. Ok. J'ai entendu l'autre qui faisait son coup spécial. Peut-être trop près là. Ah non, c'est bon. Ok, j'ai un scroll, je vais mourir. Si je pouvais tuer Yumi, ce serait super. Ah, les stun. Elle a crevé. C'est bon. Ouais, je te l'écrirai dans 2 secondes, j'ai bientôt fini la mission. Mais genre elle m'a break en plein vol. Ah, oh, Kassos. Ok. Ouais, faut que j'abuse de ça à distance, c'est ça le truc. Le problème c'est que c'est une snipeuse aussi donc. Ok. Yes, elle est morte. Ah non, elle a toujours son truc de fin de vie. C'est... Ça, c'est peut-être typique de Ryubi parce que ça arrive à chaque fois. Comme si elle avait une protection. Oh là là, je me fous dans son truc spécial. Tu as crevé, ouais. Merci. Ah ouais, il y a des choix de perso et il y en a un paquet, hein, parce que... Avec les ninjas, je vais te montrer après, tu vas voir. C'est chaud. Je te mets le titre du jeu, attends. Bon, ça fait un smiley, mais j'avais juste mis 2 points. ouais, donc c'est... Bon alors comme tu peux le voir c'est quand même un jeu qui est très axé fanservice, enfin c'est vraiment la marque de fabrique de la franchise, donc les vêtements des personnages se déchirent quand elles se prennent des coups, il y a beaucoup de... c'est très axé sur... elles ont toutes des gros seins, etc. Mais sinon le jeu de combat est sympa, il est intéressant et c'est marrant. Donc et c'est assez dur des fois quand même. Et des personnages, il y en a un sacré paquet, ouais, il y a rien que les ninjas principaux, il y en a, je sais pas, je vais dire, une vingtaine déjà, rien que de personnages différents. Avec chacune leur technique spéciale, leur façon de jouer, leur combo, etc. まあ、良い。料理長も何か迷ってるの?あ。料理は。料理は迷ってなんかな。ああ、料理ちゃんどこ行くの?待って。その顔じゃ忍びのボードに集中できそうにないね。だったら今からいいものを見せてやろうかの?
Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ce jeu est donc bien sur PS4, hein, donc c'est un peu ça qui en fait, enfin comment dire, sur PS4 c'est très 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 rare les jeux qui sont un peu sexualisés comme ça, où il y a, bon même si c'est pas, c'est jamais hard hein, ou quoi que ce soit, mais c'est quand même étonnant pour sur une console de Sony qui a un jeu comme ça où il y a qui est quand même pas mal axé sur les seins, les fesses, etc. Que ça soit voilà, que ça ait pu sortir, c'est cool quoi. C'est quand même censuré évidemment, mais bon, c'est censuré aussi sur PC. Hein. Enfin, il y a ce genre de d'effet de lumière ou de trucs comme ça. Mais c'est plaisant à jouer, et puis ça reste très second degré niveau, même si tout l'aspect sexualité, etc. C'est très second degré, donc ça passe, c'est pas... C'est marrant, quoi. Mais bon, ça reste original pour une console Sony, quoi. Un truc comme ça. Ouais, bon, j'ai fait D, je m'en doutais un petit peu. Ah, je crois que j'ai fini la deuxième journée d'émission. Plein de nouveaux objets dans le shop. Oui, oui, sur PC, évidemment. Tu peux trouver des mods qui vont te supprimer les effets de censure. Après, moi, j'avais commencé cette série, enfin, Senran Kagura, c'est une série avec plusieurs jeux. Moi j'ai commencé à jouer à ça avec le jeu sur Vita qui s'appelle Senran Kagura Bon Appétit. C'est pas du tout un jeu de combat par contre, c'est un jeu de rythme. Mais toujours avec le même principe, c'est-à-dire que quand tu gagnes le. Quand tu finis une chanson, le personnage se fait déshabiller, etc. Mais en général, la franchise, c'est plutôt des jeux, des beat'em all comme ça, un peu des trucs un peu la Devil May Cry, quoi, il faut bourriner, faire des techniques spéciales, des combos, etc. Et je trouve que les deux styles de jeu sont sympas. Le jeu de rythme était très sympa et celui-là aussi j'aime bien. C'est sympathique. Surtout qu'il y a une quantité incroyable de missions et je crois même qu'il y a un mode online. Mais c'est à confirmer. Alors je vais te montrer juste les personnages. Vite fait. Hein. Là, c'est les personnages de base, donc j'en ai débloqué aucun encore. Tu vois, il y en a qui sont loqués fin de jeu. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 personnages de base. Hein. Plus bon, plein d'autres que tu peux débloquer ou acheter dans le shop. Et c'est cool parce qu'elles ont toutes vraiment leur... Bon, elles ont toutes des gros seins quasiment, hein, mais... elles ont toutes leur personnalité, leur style de jeu, leur technique spéciale, etc. Et c'est... C'est assez varié finalement. Le système de combo se ressemble pas mal pour plusieurs personnages, évidemment, mais... au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu débloques des techniques, des combos un peu différents. Et elles ont toutes leur arme de prédilection, donc ça change un petit peu. C'est pas trop redondant pour l'instant. Après t'as un système de shop où tu peux acheter des trucs cosmétiques, voilà, enfin tu peux te faire plaisir quoi. Ah mais j'ai gagné plein de thunes avec la dernière mission là. Voilà, donc tu peux un peu custom tes personnages. Sinon après dans le style ça reste vraiment, c'est vraiment on dirait un mix entre un beat'em all habituel où tu dois tuer des hordes d'ennemis etc. Et un peu jeu de combat aussi, c'est à dire que t'as vraiment un système de parade, break etc. Donc je pense que peu importe le style de jeu que t'aimes bien, tu vas trouver ton compte quelque part. Sur PC il est dispo sur Steam évidemment. Et sinon bah... Tu connais quoi. Tu peux le trouver en torrent ou je sais pas ce que tu veux. Mais ouais, sinon ils sont sur Steam, ouais, les deux. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas custom un peu Mariona. Parce que vu que c'est le personnage que je joue le plus, bon. Autant se faire plaisir. Elle est pas dans la liste là.
Je vais enlever Minori, tiens. Ouais, tu vas sur Steam, t'as deux jeux, enfin deux gros jeux, Senran Kagura, t'as celui-là, là, celui auquel je joue, c'est Estival Versus, et l'autre c'est Burst Renewal. Et Burst Renewal, en fait, c'est un remake du tout premier Senran Kagura qui était sorti il y a très longtemps, avec les nouveaux graphismes, système de combat, etc. Donc, si tu te soucies, on va dire, un minimum de l'histoire, bah tu peux commencer par Burst Renewal, c'est le tout premier de la série. Même si, bon, l'histoire, elle est sympa, mais c'est plus... Les personnages sont vraiment marrants, les dialogues aussi, mais l'histoire en elle-même, c'est pas fou, quoi. C'est des gags et des trucs comme ça. Donc voilà, Rion a mon personnage préféré, que je vais aller custom un peu. Je sais pas ce que je pourrais lui foutre. J'ai acheté des trucs, mais je sais pas ce que c'est. Comment je la place? Ah voilà, comme ça, je pourrais l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a de sympa que je pourrais lui mettre qui serait plus, plus approprié au personnage? Ça c'est pas ouf, hein. Un costume d'écolière, hein, pourquoi pas. Ah, ça lui correspond pas mal. Hein. À ce personnage masochiste. Ça c'est quoi? Shinobi, ça j'ai déjà essayé tout à l'heure, ouais. En vrai, les costumes Ebijo sont sympas. En blanc, c'est mieux, ouais, ok. Je les sens en blanc. Que j'ai pas regardé la lingerie. Alors ouais, alors par contre si t'en vois 6, c'est peut-être parce que il y a des DLC aussi. Ça doit être ça. En vrai jeu, il y en a deux quoi. Il y a Estival Versus et Burst Renewal. Mais après, faut que tu filtres et que t'enlèves les DLC parce que sinon tu vas les avoir dans la liste aussi. Putain, mais j'en reviens toujours pas qu'il y ait au moins 140, non même plus, 167 lingeries différentes quoi. Du coup, il y a même trop de choix quoi parce que. Il y en a qui se ressemblent quand même, hein. On va pas se le cacher. Mais moi je cherche un truc qui soit un peu dans le personnage quoi, parce que... Oh, je vais lui laisser ça. Bon, les cheveux par contre... Ah, elle a plusieurs cheveux en blanc, ouais d'accord. Noir. Ouais, c'est juste ça, c'est juste la couleur qui change, ok. Ah, c'est horrible. Non, mais ça, je vais pas toucher à son style accessoire. Qu'est-ce que j'avais acheté? Hibiscus, une fleur, d'accord. Une couronne. En vrai, ça lui va bien, la couronne. Ah, mais il y a plusieurs tiares. Ok. On peut même bouger la position des accessoires, bah dis donc. Ouais, ils sont pas chers, c'est fun, et en plus, je pense que là, vu que c'est les soldes d'été sur Steam, ils doivent être en promo, donc bon... Ça doit être bien sympa, niveau prix.
Moi je l'ai pris sur PS4 en promo aussi, et bon vraiment je l'ai payé 10 € quoi, donc j'en étais où? Mission. J'ai fait quoi? Oh, il y a 5 plateformes à péter dans celui-là, ok. Ouais, ça va. Pour ces jeux-là, ça va. C'est normalement, je crois que plein prix, ils sont dans les 20, 25, 29, un truc comme ça. Donc si tu l'as à 12 €, ça va, hein, franchement. Puis il y a quand même plein plein de trucs à faire, quoi. Je veux dire, la durée de vie du jeu, je pense qu'elle est quand même pas mal. Hein. Je vais me refaire celui-là avec avec Riona, juste pour les déglinguer. Et essayer de faire un A ou un B. Allez. Donc avec Riona normalement elle est niveau 24, donc ça devrait pas traîner. Allez, transformation. Ouais, il y a un système de level up aussi d'XP, des persos, chaque personnage. Alors, t'imagines le nombre de personnages qu'il y a. Allez, on va claquer la technique. Ok, j'en suis où là? Bon, les dernières, je vais les finir normal. Hein. Ah, mais je suis trop puissant maintenant. J'y propulse même plus dans les airs. Non, mais elle garde. C'est quoi ce truc? Ah, je l'ai tellement envoyé bouler loin qu'elle était encore en train de tourner. Non, mais toi, tu me fais chier, toi. Ok. Il est où l'autre, la toupie là? Peut-être à loquer parce que. Ok. Là, ça la fait vraiment tournoyer dans tous les sens. Je pense qu'elle a dû se manger un ballon ou un truc comme ça. Merde. Allez, aux choses sérieuses. C'était quoi cette mission? Ah oui, c'était Omura. Ikage, mon personnage préféré. Et Mirai. Bon, j'essaie de les one-shot, si possible. Est-ce que je les ai pris dans mon truc? Ouais, c'est bon. Il y a Omura qui est morte. Ikage aussi. Il y a Mirai qui reste en vie, par contre. T'es où Mirai? Là-bas. Ouais, mais là c'est vraiment. C'est ça qui est marrant en fait, c'est que bon, c'est. Tu sais, il y a des trucs des fois où t'as du fanservice qui est placé grossièrement. Là c'est vraiment 100% fanservice, donc c'est ça qui est drôle. Il n'y a pas de. Genre, ils s'en cachent pas du tout, tu vois. C'est vraiment un jeu. C'est toujours le sujet. À chaque fois qu'il y a un truc, elle parle de leur sein, de leurs fesses, etc. En tournant ça à la dérision, enfin, c'est second degré, tu vois, mais c'est.
c'est vraiment c'est pas masqué quoi, c'est honnête. Ah, mais voilà un petit A. Et on va passer niveau combien? 27. Ok. Ouais, mais je deviens surpuissant avec elle en fait. Hein. Donc, je crois que j'ai fini le jour 2, ouais voilà. J'ai fini toutes les missions du jour 2 et du jour 1. Sachant qu'il y a 8 jours, hein, donc... Sachant qu'il y a 8 jours, là je vais commencer le jour 3. Ensuite, il y a... Alors regarde ça, il y a toutes ces missions. Pour chaque personnage, ça se débloque après. Tout ça, c'est des missions. Il y en a pour chaque personnage 3 ou 4 fois 26 personnages. Je pourrais scroller pendant 3 heures, ça n'en finit pas. Et il y a les missions spéciales, ça c'est vraiment très très dur. Et ça, j'ai même pas capté comment les faire. Peut-être que je pourrais les faire avec Ryona aussi pour voir. Allez, je vais tester ça vite fait. J'ai pas encore réussi, je l'ai fait 2 fois, je me suis fait éclater. Peut-être que ça passera mieux avec Ryona. Bah ouais, fais-toi plaisir, hein. À ce prix-là, ça va. C'est quand même des jeux très sympas à jouer et... Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué avec elle? Ah mais je suis avec Yumi, j'ai pas le choix en fait. Merde. Moi je vais me faire éclater quoi. Ouais, je me fais éclater, ok, super. Je peux rien faire, je suis bloqué. Ah, il y a de la bouffe ici, j'avais pas vu ça, pour me soigner, ok. J'aime pas ce que c'est le plan là, parce que je vais me faire défoncer. Est-ce que je me soigne déjà? Ouais, j'ai en prendre un. Ok, transformation. Peut-être que je garde plus souvent quand même. Ok, j'ai ma technique de niveau 1, mais je me suis fait stun. La claque. Je crois que c'est du gâchis. Je suis en feu. Non, mais c'est pas possible. Cette mission, je sais pas comment faire. Faut peut-être monter Yumi. Elles ont trop de vie, elles sont trop résistantes. Ah, j'ai réussi à la parer, mais... Bon déjà il faut jamais se mettre les trois sur le cul en même temps. Ouais, mauvaise idée. Alors c'est qui me fout en feu à chaque fois là? Y'a du riz encore quelque part ou pas?
Là-bas peut-être. Ah, c'est un scroll. Cool. Et encore, elles sont même pas transformées, hein, donc là je me fais éclatax. Ah voilà, c'est la fin des haricots. Ouais, il faut monter Yumi pour celle-là parce que là j'aurais fait quasiment pas de dégâts quoi, même avec Metal spécial. C'est limite ouf comment je me fais défoncer. Mais je pensais que j'aurais Riona en fait, j'avais sélectionné Riona, mais vu que j'ai pas encore fini la mission avec Yumi, je crois que je peux pas changer de personnage pour l'instant. Donc ouais, faudra que je monte Yumi un petit peu. Au moins niveau 15, un truc comme ça, que je puisse avoir un minimum de répondants. Allez, stun. Level up, cool. Ah non, j'ai tout raté. Ah merde, elle a claqué sa technique en même temps. Donc c'est raté. Non mais là, attends, je vais me faire... Elles sont les trois transformées, voilà, c'est fini quoi. Ouais, la transformation ça full heal et ça te rend plus puissant et plus de défense, donc bon voilà quoi, hein, là je vais me faire éclater. Je me fais éclater, je renlève pas de vie. Ah bah c'était même pas transformé encore Miyabi, putain. J'avoue que ça sert à rien en plus là, je perds du temps. Je sais très bien que j'arriverai jamais à les finir les trois. Mais en même temps ça me fait level up, hein. Je peux level up pendant le combat donc... Même si là je pense que c'est la fin. Il fallait que je me barre là parce qu'elle est en train de me lâcher son truc spécial sur la gueule. Et c'est la fin. Non mais c'est pour ça aussi que l'émission spéciale... Ça se voit au niveau de la difficulté, c'est marqué... Pour te donner une idée, là, l'émission que je fais du scénario principal, c'est 4 étoiles. Avant j'étais à 3 étoiles, bon, 4 étoiles pour le jour 2. Jour 3, c'est 4 étoiles toujours, et l'émission spéciale en normal, c'est 7 étoiles quoi, donc voilà. Donc c'est pas pour tout de suite, je pense. En tout cas, pas avec Yumi. Non, mais c'est bien si c'est du masochisme, parce qu'il y a un personnage qui est masochiste, donc ça tombe bien.
C'est mon personnage préféré en plus. La petite Riona qui aime souffrir. Donc du coup, c'est dommage que ce soit pas elle qui fasse ses missions spéciales. Hein. Non, c'est pas là. Bon, et encore, on se dit, si c'est 7 étoiles, on voit bien que ça peut aller jusqu'à 10. Donc je sais pas à 10 ce que ça va donner. Ah, mais en fait, je peux peut-être le mettre parce que... Là, j'étais en... Quand je voyais 7 étoiles, c'était en normal. Si je mets en normal 7 et en hard, c'est 9 étoiles. D'accord. Voilà. Donc... J'en fais aucune mission en hard, même les normales, j'ai pas essayé. Tiens, mais je vais faire celle-là en... Non, je suis en easy, je vais mettre en... Je vais me refaire un petit tour avec... Ah bah avec Yumi, pourquoi pas, tiens, ça va l'XP un peu comme ça. Ah c'est chiant, ça charge trop vite, j'ai pas le temps de lire les petites astuces, c'est dommage. Il y en a qui sont utiles en plus. Allez. Je pense que cette mission devrait lui faire gagner au moins quelques niveaux. Merde, ça serait bien que je garde au moins un scroll pour la suite. Level up, super. Je vais finir ces merdes. C'est bon? Allez. Asuka, personnage principal de Senran Kagura. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Katsuragi dans celui-là, putain. Ok, on va aller dans le tas. Technique, niveau 2. Ok, ça leur a fait mal, hein, quand même. J'ai le temps de le caler, ouais, avant de crever. Ah, je les ai one shot. Ah non, y a, merde, il y a Asuka qui est pas morte. De justesse, dommage. Peut-être le temps de la finir. Non, j'ai pas le temps. Je dois me la faire en transformation. Non mais ça va, tu peux me lâcher, merci. Je suis stun, super. Merde, j'ai entendu de la... claquer son... sa technique mais je l'ai pas esquivé. Ah, là je l'ai esquivé, c'est bon.
Merde, je l'ai pas eu dans mon... dans ma tornade. Ah si, je l'ai eu en fait. Ok. Ça va faire du quoi ça? Je dirais du B. C'était pas extrêmement rapide. Ah, du D. Oh là là. Mais j'ai pris quoi? Deux niveaux? Un niveau. Ok. Bon, ok. 3h du mat, bah... bien avancé dans les missions. C'est cool. Je vous souhaite une... je vais arrêter de stream, je vous souhaite une bonne nuit. Vous couchez pas trop tard quand même. Et Alex, amuse-toi bien sur Senran Kagura. Merci à tous, à la prochaine.